Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Black Flag. Je m'en rappelle pas du tout ce que j'étais en train de faire. Quelque chose. Pas grave. Les mecs, non? Il y a des grenades maintenant, c'est chou. Dans Counter-Strike. Non. Non, non. J'ai raté. Pas de soucis, next time. Faut-il être pour prendre de rhum, je crois. Synchronité. Ça c'est un petit peu déceptif, les bâtiments assassins. Malum, malum.
Pas très haut, pas très beau. Comme à l'époque, hein, mais... Je pense que je serai jamais tant emballé que... N'importe. Bon, alors qu'est-ce qu'on a à faire? Le représentant de sa majesté a rendu sa sentence. Il sera pendu pour... par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuit. Putain. Non plus. Bon. Hier. You there. Stop. There you are. Okay. Oh, c'est quoi ce truc de... Avec vos grenades, les mecs. Reviens.
Arrêtez avec vos grenades, c'est chiant. Une plante pour eux. Charge. Ok, on va... Why so close, friend? Ils sont restés. Et là-bas, les crétins. Allez. Ah. Et du coup, j'ai perdu les mecs qui m'accompagnent. Cool.
chiant. Et le mec. Non. Merci, capitaine. Je vais chercher les autres. Ok. Un type. Voilà, allez, on fout ce bas. Voilà. Pivote. Un petit truc. J'espère que ça soit pas un truc trop tiré. Wouldn't it sound grand?
tranquille. Ok, ça fout quoi. Ah bah ça fait... What on God's earth was that? Look, I shall warn you again. Occupez-les. I can. Il paraît que notre commandant aussi considère le capitaine Wood Rogers comme un ami. L'homme qui a sauvé Selka, ce capitaine Rogers? Oui, un marin comme il y en a peu. C'est dur. Il a gagné une grande balafre sur la joue gauche. Balle de mousquet. Elle est restée plusieurs jours dans son palais. Il a survécu. Ouais, il a continué à donner ses ordres comme si de rien n'était. Jusqu'au... You there! Stop! Fish in a barrel, mate. Putain, je suis d'une interdite pour rentrer dans une. Pas du tout. Que c'est. Non. Où est la zone parce que... Repérer les tavernes qui faisaient ça dans le temps. Oh, les gardes, ils sont tellement là. Où je m'emballe. J'ai pas reçu. Interloper, raise the alarm! Got excited! I've got a good line! Non, t'es sérieux? Putain, laisse-toi, lâche tout! Une putain de grenade qui a été. Right. Oh, chiant, là. Animal.
va faire un truc. Ah, si. Une ah, dit-il. You require my services? Ou non? Là, je vais... I'll be here should you have need. Et non. OK. Ouais, allez, on va pousser. On n'aura pas grand chose. Le capitaine est à la barre.
Allez, on arrive à... T'en veux une autre? Rome flip cette fois. Et où veux-tu que je trouve des œufs frais dans cette maudite ville? Y a rien d'autre que de la pisse et des insectes. On essaie de changer ça. Belle lady, quel est ton joli nom? Anne quand ils sont à jeun, traînée quand ils sont raides, mais jamais lady. Eh bien, très chère Anne, J'y crois pas un mot, tu m'entends? C'est un ramassis de mensonges. C'est une ruse pour nous ramollir avant d'attaquer Nassau. Tu verras, tu peux me croire. C'est pas une ruse, Vain. Je l'ai appris de la bouche même d'un gros capitaine des Bermudes. Je te dis que pardon est offert à tout pirate qui en voudra. Ruse ou non, je ne doute pas un instant que les Anglais reviendront à Nassau et armés jusqu'aux dents. Il nous faut un plan. Viens avec nous, Kenway. Tout ça ne présage rien de bon. En l'absence de toute idée, non, mieux vaut se faire oublier. Ni piraterie. En fait, je vais la touche. Dana. Ne faites rien qui puisse agacer le roi. La digestion du roi est le cadet de mes soucis, Ben. Tu changeras d'avis quand il enverra ses soldats nettoyer cette île de tous les pirates qui l'habitent. Okay. Ouvre un peu les yeux. Tu mourrais pour tout cloaque. Oui, c'est notre république. Notre idée. Une terre libre aux mains d'hommes libres. Tu te souviens? Peut-être qu'elle n'est pas jolie à voir. Mais Nassau mérite encore qu'on se batte pour elle, non? J'en sais rien, Ed. Quand je regarde le fruit de nos années de labeur... Je ne vois que la maladie, l'oisiveté, la bêtise. À t'entendre parler, cet endroit n'est pas si différent de Londres, hein? Ça, tu as raison. Si on voit les choses en face, on s'en sort pas si mal ici. Il y a du soleil, du rhum et de quoi prendre du bon temps jusqu'à plus soif. Oui, Nassau est peut-être attirante de loin, mais quand on voit les choses de près, ce n'est qu'une infection qui soulève le cœur. Les maladies, ça se guérit, Ben. Suffit juste d'avoir le bon remède. Mais les morts ne se relèvent jamais. J'arrive pas à croire que de tels mots sortent de ta bouche. Pourquoi ne pas accepter le pardon et en finir? Du calme, tous les deux. Si on reste unis, tout le monde y trouvera son compte. On doit se procurer ces remèdes pour régler notre problème. Mais sans attirer l'attention des Anglais. Je suis prêt à parier que le médecin le plus proche est à La Havane. Mais je compte pas y mettre les pieds. Il va y en avoir dans les galions de la flotte qui a coulé il y a 2 ans. Bien conservé dans des fioles de verre. Une cloche à plongeur si tu veux aller aussi profond. Aïe, on n'aura aucun mal à s'en procurer contre de l'or et des marchandises. Voilà un plan qui me convient. Trouvons des remèdes sans causer de troubles. D'accord, Satch? Ça me va, ouais. Je te retrouverai aux épaves dès que tu seras prêt, Kenway. Et souviens-toi, Satch, fais taire tes canons! M'emmerde pas, Ben. Ok. Prends un peu le bec. Ok, ça va. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser.
bientôt, salut.